Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ces hommes célèbres qui sont du signe du Gémeaux. Vous êtes Gémeaux si vous êtes né entre le 21 mai et le 21 juin. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous publions des astuces de séduction en astrologie, les compatibilités entre les différents signes et beaucoup d'autres choses autour du zodiaque. Je vous invite à aller faire un tour juste ici. Voyons donc les caractéristiques du Gémeaux. Vous êtes positif, flexible, vous avez un grain de folie, vous êtes charismatique, ouvert d'esprit, drôle, sociable, empathique, aventurier ou aventurière, curieux et curieuse. Et vous allez découvrir que ce n'est pas un hasard si vous partagez le même signe astrologique que ces célébrités. Gémeaux, vous pouvez avoir le charisme et l'esprit aventurier comme Chris Evans, l'acteur phare d'Avengers et du signe astrologique du Gémeaux. Vous dégagez sûrement un côté naturel, flexible et drôle, un petit peu comme l'acteur Colin Farrell. Le comédien et humoriste Jamel Debbouze partage ses traits de caractère avec vous. Vous avez un grain de folie, vous avez beaucoup d'humour et vous êtes hyper active, vous êtes sûrement Gémeaux comme lui. Jean Dujardin, c'est le côté sociable, empathique du Gémeaux. Vous êtes souvent très entouré et avez beaucoup d'amis autour de vous car vous êtes le centre de l'attention. Vous êtes fou et original, un petit peu comme Johnny Depp. Et c'est ce que les gens aiment chez vous, votre grain de folie que vous apportez constamment dans votre quotidien. Vous êtes aussi un cérébral, vous êtes charismatique et vous avez l'esprit ouvert, positif, un petit peu comme l'acteur Liam Neeson. Gémeaux, vous avez aussi une pointe de créativité et vous n'hésitez pas à exprimer vos émotions. Si vous faites comme Lionel Richie, vous n'avez pas peur de chanter votre passion et exprimer à tout le monde ce que vous ressentez. Mark Wahlberg, c'est le côté drôle et mystérieux du Gémeaux. Il peut vraiment interpréter toutes sortes de rôles et vraiment sortir des registres qui sont imposés pour pouvoir apporter un petit grain de folie supplémentaire. Neil Patrick Harris est aussi du signe du Gémeaux. Positif, sociable, empathique, aimant. Il a vraiment ces caractéristiques rassembleurs qui font de vous un des meilleurs amis de l'astrologie. Si un mot devait vous définir Gémeaux, ça serait peut-être surprenant. En effet, en une vie, vous pouvez en avoir mille, un petit peu comme Eric Cantona, à la fois footballeur professionnel de talent, acteur, mais aussi peintre et artiste à ses heures perdues. Voilà pour l'ensemble des célébrités nées sous un signe du Gémeaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettez-moi en commentaire laquelle de ces célébrités vous ressemble le plus. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ces hommes et femmes célèbres qui sont du même signe astrologique que vous.